Hello, la Dozo Family. Je me suis clairement mise dans le bureau de Val et j'ai l'impression que j'ai commencé mon intro en faisant brum, salut les petites potes. Clairement là c'est Valouze en fait. J'espère que vous allez bien. Les petits loustiques, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, intro que j'ai pas l'habitude de faire, du coup ça y est, je suis perdue. Aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo où je prends la voiture de Valouze en cachette. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je me suis mise dans son petit bureau pour pas la réveiller parce qu'il dort encore. Il est 10h10 du matin. Le truc c'est que c'est trop crade dans sa voiture et surtout elle est dégueulasse. Il y a aussi des traces de colle dessus. Je vais lui ramener le petit déj, lui ramener une voiture super clean parce que moi perso j'adore ça, je trouve ça hyper satisfaisant et ça me dérange pas. J'espère qu'il va pas le prendre mal. Dites-moi dans les commentaires si vous accepteriez que votre femme elle pique votre voiture. Moi j'avoue je serrerais peut-être, je sais pas, bref, moi c'est pour faire une bonne action, voilà. J'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner et on se retrouve dans la voiture. Générique. Bon, et bien me voilà dans sa voiture. Alors, j'avoue, j'ai un peu peur. Mais regardez, je vais vous montrer l'état de sa voiture. Niveau inspection de la voiture, là, t'as un RS. Et c'est le bordel comme ça. Je vais aller laver tout ça. Alors déjà, premièrement, Valouze n'aime pas les rouleaux de ouf. Du coup, justement... C'est quoi ça? Faire la pointe du lave-glace, et bien c'est parti. On va même faire la pointe de son lave-glace, en fait. On va lui rendre sa voiture super clean. On va lui faire les jets à la voiture pour pas que ça abîme déjà la carrosserie. On va lui enlever les traces de colle sur sa carrosserie. J'ai regardé sur internet comment on faisait. Je vais aller voir à Noroto peut-être pour acheter un produit. On va lui mettre du lave-glace vu que ça vient de sonner. Et je pense qu'il va se faire réveiller par le bruit du moteur. C'est même sûr. Mais ça va bien se passer. Ok, let's go ou quoi? J'ai tout dit. Ah là je suis sûre que tu regardes la vidéo, t'as peur. Ok, alors attends, drive. C'est bon là? Oh oui c'est bon, oh putain. Là en premier temps je pense que je vais aller à la boulangerie déjà pour avoir bonne conscience. Et Val il est en train de dormir, il a entendu le bruit de sa voiture, il s'est dit mais elle fait quoi? J'ai l'impression que je suis une bandit et je vole une voiture là. J'aurais dû connecter mon téléphone. Comment ça j'ai pas de musique là? Hé hey. Je vais me mettre là. Ah non attends, il y a un parking là. Bluetooth. C'est parti les loulous. Mais le troubadour, on fait pas tout ça pour l'amour. Là, on fait tout ça pour l'amour. J'avais oublié à quel point une automatique c'est trop bien, putain. Oulala. Si Valouze voit ça, il va me détester. Chaton, ta voiture, je la veux. Mais je sais que si tu changes de voiture, c'est moi qui récupère celle-là. Donc, quand est-ce que tu changes de voiture, chaton? J'adore. Oulala. Regardez ce que j'ai acheté. Alors, une petite boîte de macarons. J'avais 20€ et je voulais prendre la plus grande, mais elle était déjà à 20€. Alors que je voulais prendre aussi des petits pains. Et on a de la monnaie pour les aspirateurs. Bah écoutez, j'ai envie de dire, on va aller jusqu'au G pour laver la voiture. Let's go, let's go. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Par contre, j'ai du froid dans la gueule, là. Je vais tomber malade. Voilà. Moi je suis vraiment la Yankee de service. Regardez ce que j'ai acheté. Un petit chiffon microfibre, forcément spécial voiture. Bon, j'en avais un, mais pas spécial voiture, donc c'est pas ma voiture, sait-on jamais. Et regardez ce que j'ai acheté, c'est un petit spray pour enlever la résine et la colle. Parce que regardez, je vais vous montrer en fait ce qu'il y a. Des dingueries, moi. Je sais pas si vous allez voir sur la cam, mais en fait, regarde, c'est tous des petits points de colle, de résine, ou je sais pas du tout ce que c'est. Je vais regarder si ça fonctionne, cette merde. J'ai un peu peur, j'avoue. Chaton, si ça fait des traces, ne m'en veux pas. Ça part pas hein. Ah si ça part peut-être. Ah si ça part. Je suis grave la meilleure. Ça part. J'ai bien fait d'acheter le produit en vrai hein. Regarde, ça part nickel. C'est un autre tour de laver la voiture. Il y avait une meuf avant moi. Elle me fait il me reste du temps si vous voulez utiliser mon temps pour laver votre voiture et tout. Mais c'est trop gentil. Je crois que j'ai trop pris la confiance avec la voiture. Bah non genre je la gère grave. Cliquez ça, c'est le meilleur. N'hésitez pas à aller streamer ses sons sur Spotify. C'est le boss. On n'est pas en train de laver la voiture, nous.
Et en vrai, c'est pas mal là, hein. Regardez-moi cette beauté. Elle est trop belle la voiture quand elle est propre, elle est vraiment magnifique. Par contre, j'ai juste pas osé faire la brosse parce que bah c'est hyper agressif pour la carrosserie et bah je préfère tout faire au chiffon quoi. C'est quand même un beau bijou, hein. C'est hyper satisfaisant. Regardez comme c'est hyper satisfaisant. Bah après quand c'est propre ça fait plaisir, hein. Ah ouais. On a l'impression qu'on a une nouvelle voiture. C'est ouf. Je suis trop contente, ça y est, la voiture de Val est lavée. Regardez-moi cette beauté. C'est genre tout propre, j'ai tout aspiré, intérieur, extérieur. Je vais vous montrer un petit peu l'extérieur. J'ai réussi à tout avoir, toutes les tâches sont parties. Je suis toute seule, je sais pas quelle heure il est, mais j'y ai mis vraiment tout mon amour. Je suis vraiment trop contente. Bah écoutez, on va aller voir Valouz, on va rentrer à la maison. Et puis c'est parti, let's go, hein. Je pense que la dernière fois qu'elle était comme ça, sa voiture, c'était... Enfin, quand il a acheté. Et on va pas se mettre bien en ouvrant le toit au grand là. Non mais soyons sérieux, qu'une voiture automatique c'est le bonheur en fait. Après il y a quand même le plaisir de changer les vitesses, mais je vous jure que c'est trop bien. T'es pas tout seul. C'est parti pour me garer. Je connais pas trop le gabarit de la voiture. J'ai peur. Attends. En vrai, je suis bien partie là. On est bon, arrivé à destination avec le soleil. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe là? Elle brille, non? Qui est-ce que t'as branlé encore? Bah franchement, chaton, je pense que tu vas être fière de moi. Coucou, petit. Ça va? Ça va, ma petite douce? Ça m'a fait peur, je pensais que t'étais là-bas. Ce matin, j'ai entendu le bruit du contact et tout. Ouais. Je te vois que t'étais pas dans le lit. Ouais. Si ça y est, je me suis fait carjack ma voiture. T'as eu peur? Tadam. T'aimes bien? Bah ouais, t'as tout aspiré. Bah oui. Ah ouais, c'est propre. Ça sent tout bon. Bah en fait, non, ça pue un peu parce que. Ça sent le gaz un peu, je crois. Ouais, mais tu sais pourquoi? Pourquoi? Bah parce que j'ai dû revoir toutes tes tâches là. Garde. Du coup, y'a plus de tâches? Non. Ah ouais. J'avais pris des points de colle, ça ouais. Fou. Bah, regarde, il y en a encore un là. Ah merde, bah ouais. Mais c'est pas grave, hein. Mais du coup, après, tu l'as nettoyé au G? Bah, j'ai tout nettoyé, ouais. Les pneus, pourquoi ils sont marrons? Bah, je sais pas, je sais là, pas. Là, regarde. Bah, je sais pas. C'est marron, là. Mais attends, mais tu t'es chauffé de fou, hein. Et si t'avais abîmé les jantes? Attends, inspection au cas où. Ah, ça, c'est l'époque McDo. Je te jure, j'ai rien fait. Ça, c'est cool de plus voir les points de colle parce qu'il y en avait beaucoup. Mais hein. C'était moche, hein. T'as vu, je me suis bien garé, hein. Ouais. Franchement, je pense que ça y est, elle peut m'appartenir. Hein? Mais attends, mais c'est ma journée en fait. Cadeau! C'est ma journée en fait. Merci, Clix. De rien, chaton. Plus de peur que de mal. Parce que la dernière fois que t'étais partie avec ma voiture, t'es revenue avec les jambes tout éclatées. Oui, mais là, c'était pour te faire plaisir. Vu que j'ai pas de nouvelles et tout, j'étais en mode. Bon, on va attendre un petit peu. Une petite note sur 10 sur le lavage du bureau bijoux? Bah, 10. 10? 9. J'ai vu que les gens t'as le brillé pas. Vous savez très bien, j'adore faire le top tout clean. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Et bien, c'était très satisfaisant de conduire ce bobolique toute seule. C'est super rare que je conduise la voiture seule. Hein. J'avoue. Mais je crois que c'est la première fois. J'avoue, c'est la première fois. Ouais, je crois que c'est la première fois. Franchement, moi, ce qui m'a le plus fait kiffer, c'était pas le lavage de la voiture, hein, c'était le pilotage. Hein. Ouais, attention, attention quand même. Non, mais tu verras, j'ai fait très attention. En tout cas, prenez bien soin de vous, soyez prudents au volant, c'est super important. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche.